J'ai vu mon père toucher le couteau pour poignarder ma tante et mes soeurs, ma mère. Toi, tu. J'étais pour le présent. J'ai vu que ma mère était en œuvre. J'ai vu mon père avait touché un truc et l'entruc. Je me suis vu, grâce aux lumières de voisins, j'ai vu que c'était le couteau. C'était le. J'étais sur place. Je me suis battu avec lui. Tu t'es battu avec lui? Mais la force n'a pas répondu par rapport à ce qu'il avait comme force. Non, je me suis défendu comme un lutteur, c'est pas normal, parce que je pratique MMA. Ok. Alors. Ma grande soeur Merveille, Dieu, et ma mère, et ma tante Hermine. Donc papa avait commencé par maman. Par maman. Oui. Il a poignardé maman. Oui. Et comment? Maman n'avait pas crié, il n'y avait pas de voix. Maman a crié. Et je suis venu, je commençais à me voir, papa, c'est devenu moi et papa. Mmh. Ouais, je suis désolé de faire cela, mais j'étais obligé de se lever et j'étais par terre. Ok. Mais malgré ça, mais il n'a pas toujours. Écoutez, j'ai essayé de défendre, je continue. Il a vu qu'il a raté me poignarder sous mes ventres. Il a vu qu'il essayait moi de me faire baisser, c'était au pied. Ah, c'est lui qui t'a. Oui. Ah, donc il t'a poignardé, ok, au niveau de la jambe là. Oui. Ah. Ok. Non, il avait bloqué déjà la porte de l'entrée. Et c'était vers quelle heure? Bon, c'était entre minuit et 1h du matin. Donc entre. Oui, déjà, j'étais rentré avec ma tante et ma soeur. Et quand je suis rentré, j'ai vu mon père parler. Il parle de quoi en fait? Donc, il criait, je ne comprenais même pas moi-même aussi. Ok, il y avait tiraillement entre papa et maman, c'est ça? Oui, c'était déjà ça. Ma mère n'en occupait pas assez là parce qu'il avait vu que. Elle savait que c'était du mensonge plutôt. Elle a refusé de parler. Ok, donc maman a observé le silence, oui. Et c'est papa qui continue à crier. Oui. Et papa a commencé maintenant à se mettre en acte. C'est comme ça qu'il a commencé à poignarder maintenant les gens. Non, vraiment, donc, j'interdisais papa, j'ai dit à mon père qu'un homme ne peut pas agir rapidement. Si tu avais des preuves, tu savais que tu devais le garder. Tu devais, un jour, si tu voyais ma mère, un homme, elle a attrapé sur place, là, tu pouvais faire dévoiler tout en face. Mais je savais même, je croyais même pas qu'il avait une preuve. Parce que dès qu'il parlait, ça se voyait qu'il avait bu. J'avais quand il m'a poignardé au pied, j'allais devenir conscient, mais je me suis dit non, je dois le suivre. Quand il a poignardé ma soeur par derrière, je voulais s'échapper par la petite porte. Je me suis dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Je l'ai suivi derrière et je l'ai encore fait la défense. Je l'ai suivi par terre. Je l'ai jeté par terre et je voulais s'échapper vers la porte. Je piétinais la porte et son bras était fermé vers sous la porte. Et les gens sont venus l'arrêter, les policiers l'ont arrêté sur place. Ah. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être à l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi.
Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non, comme ma kakanayo, non, qui souapi. Ah non, je suis. Nazanganananyosu. Kangana kangamara yuye
Nangana kangama na yubi. Non, l'embatté. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, vous cultivez partout à travers le monde. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de ce grand magazine Vérité et Réalité, un magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps, qui vous propose un divertissement très très modéré. Certainement aujourd'hui, et ces magazines vont vous informer parce qu'il s'agit de meurtres, bien sûr, tout le monde en parle. Et aujourd'hui, nous descendons sur terrain à la résidence, bien sûr, où il y a eu les lieux du crime. Et nous sommes déjà dans la cour des scènes où s'est passé ces crimes. Et tout à l'heure, vous aurez les détails. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le monde parle de ce grand procès, bien sûr, de ce meurtre, bien sûr, parce que, comme vous le savez, le pasteur Juppé Mangwangasa, qui est condamné, bien sûr, à 20 ans de prison. Et jusque-là, c'est la toute dernière information que nous avons. Et le différent corps sont toujours gardés, bien sûr, en attendant que la famille puisse décider pour qu'il y ait enterrement, bien sûr. Alors, tout ça, c'est un loupang ou la résidence, et c'est un crime et salamaki. D'ailleurs, alors, est-ce qu'il y a des cours de crime, des cours d'actes et salamaki, surtout. Voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons vous proposer plus de détails en ce qui concerne la disparition, bien sûr. Il y a un déconabiso. Alors nous allons essayer un peu de nous entretenir bien sûr avec quelques membres de famille pour te mettre un peu que c'est un premier de la situation. Toyeba et Sikanini Bali, quelles sont les démarches Bazali Kosala et aussi Toyeba quand même parce que certaines personnes jusque là il y a une petite confusion. Certains doutent bien sûr de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous allons vous faire quand même parvenir un très bon message et aussi la vérité par rapport à Maramutu les Kanakua. Il y a eu des témoins oculaires, bien sûr, au Nzambe, à permettre que Bango va rendre amte, à permettre que Bango va koufa. Du moins, na kati awa ya cour, ya action place salama parce que notre le va tout à l'heure awa tous allez na kati ya ou ya cour ya acte. Et ça salama qui awa juste place na fandi, des places où Maramutu salama qui. En parlant des témoins, bien sûr, tu as un peu que tu as relaté, tu as réuni, tu as fait, tu as nini et salamaki. Parce que tu as un doute, parce qu'il y a quand même des témoins, qui ont un témoin oculaire. Merci, tu as avancé pour tout cela. Na papa, voilà. Bon, limite, ça vise. Alors, on ne va pas respecter les normes aujourd'hui, mais tu as un peu tout solo là. Awa, namoni, pemé, nanga, papa, aza, awa. Papa, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu as vous présenter ma condoléance à Bissot. Merci. Alors, tu as awa na esika lieu du crime d'ailleurs. C'est comme ça qu'il faut appeler parce que nous sommes ça awa. Au qui se présenter na bande de tout le monde partout à travers le monde, aux combo nani puis aux alinani par rapport à Libota. Non, na benga mi na combo ya monsieur Tuzola na be. Ou Albert Zola na nengemo. Nazali membre de la famille parce que nala oncle paternel ya Batoba ya Nadine. Pour akufi nala koko ya bana o ya Nadine. OK. Donc na tikala papa Lego na Kisasa. O ya tikala na Kisasa, toza pe na grand frère moko bo ya mukulu aza na Nadine mais donc peut-être naïe, mais il y a un problème de santé. Il y a un problème de santé. Mais tout le monde a un grand frère. Il y a un petit monsieur qui a une famille qui a une famille. Ok, alors déjà, vous allez papa. Donc papa et maman ont une famille qui a une. Du moins, information où il y a un crime, où il y a un salami, et comment il y a un salami. Information à crime et salaminga et comme elle a passé. Je suis navré comme elle a passé parce que le samedi, on a la ah, on a résidence. La résidence. Au moni paye mon maman a dit. Au moni Nadine, au moni Bokino Nanga. Au moni Bana. Bango News. Sinon, ambiance, c'est ça qui n'est pas. Ambiance, bon, Nanga n'a pas d'ambiance, c'est ça, mais mon bal est né, mouto alors au yé bisanga ba. Supplication qu'on a à supplier pour libérer les loups.
soki alobala yake Nadine azanduba ako yambangate abana ko sipienga bokilo lokwana moni yo yonengo ye foko misali bala ngandengo yo ye je crois que na ko solution na libala ngabi kwa oza matata wa abi wi Nadine azanduba bo mali bala na problème nini abo mali bala y a pas de fumée sans feu sur Nadine azanduba mali bala. Mais il faut que nous nous disions papa, papa, nous avons dit, oyo mobali na ye aza na yango contre ye abi yo papa leki ndenga na lembi libala oyo parce que un mobali azongaka jouer na katana isoka bimi na balabala oyo na wenze campagne d'évangélisation na ye eza motaka na yango bolumu nanga campagne d'évangélisation na ye finanga n'importe quoi kolobela na n'importe nini na lembi na alors que tout ça la bonne zambé. Vous dites que donc pasteur a eu sous la bonne zambé. Pasteur a eu sous la bonne zambé. A comment qui a se relâché qui. Parce que la Bible élobie bien. La proverbe va dire celui qui relâche de son travail est l'ami de celui qui détruit. Qui détruit et là, diable, yo se relâché parce que yo passé le temps na qui passera. Je me lance dans masanga. Masanga te ou yo me la ba whisky masanga makasi. Quel que soit problème, y a qui jalousie, y a nini. Passer faut tenir ferme contre les risques. Diable a risé. Je me lance. Donc on est na la na pas seulement mon gobe. Kabe na sambela, sambela na chrétien de way. Na chrétien de way. Babidje. On peut pas, on peut jamais éviter l'adversaire. Diable te convide de. Mais bah c'est comme ça. Faut tenir ferme contre ses risques. Pour diable encore tenter, mais faut être toujours ferme. Jésus-Christ a l'exemple modèle. Bah tenter Jésus-Christ, mais à la guerre, il est écrit. Il est écrit parce qu'il avait la parole de Dieu. Mais il a passé le temps la parole de Dieu au CD. Bon, mais les gars, tu vois que ça va pas. Ça on va entendre comment la kionde, ne veut pas kionde. Je suis très bien. Tant que je suis là, bon, ça va, je suis là, et pas non quoi fanny pas une adine à couper pas ya oh non quoi ok alors ça m'a tanga bye la tigre bango bien mais tant qu'on a comme une andako babo melinga ma neveu famille n'a pas soit qui information babo melinga à neuf mois sous son nom non non quoi kendi n'a pas tourné bang ou pas un adine moi la non adine ma petite ma belle na nzoto ma sassie me chopoe la libanda na bidito ah na koma mal et puis sur le champ merveille azar okufa non ki mabe et puis pe singa trouble sur merveille azar ni merveille azar okufa ye ma petite ma ba sassie na ba belle a kufi ma o bazar kan pour me en tout cas ouf là le monsieur le journaliste donc vraiment courage, courage. Alors je crois que tout le monde a quand même des difficultés pour faire face. Parce que quand même tout à l'heure, tout le monde a dit que les gens ont été en morgue. Jusque là, il n'y a pas d'organisation qui tout tourne. Alors la difficulté pour faire face. Bon, en tout cas, tout le monde a des difficultés. Un, ton père est déjà bon. Ton père est être humain. Ils ont la société. Ils ont été en verre. Première difficulté, on a perdu les bananes. Deuxième difficulté, on a maman a bango, bano batikali, ou on a dit, là on supportait soin à bango. Pour Nadim, on a dit, 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 on a dit,
Je suis là, on supporte dans la salle à terre. La chômage. Et on a. De deux. Les le corps ou est là, il la mort. Il ne faut pas un bon man. Qui va supporter? Vous avez. Troisièmement, ce qui va bien ici, l'État a pêché à Vala avec beaucoup de monde. Vraiment, ton cocaté. Il y a un toujours 5 ans. On a papa qui a dit, donc papa a dit. Il y a toujours 5 ans. Tout le monde a été malade. Il y a vers Bissot. Il n'y a pas porté Bissot aide. Parce que ça facilite le corps. Le cambo est sali, le bot est sali, ça lui passe. L'interprétation est belle, belle, Nadine a dit à moi aussi, à qui n'a ma kangou, à major, à qui n'a ma kangou, à colonel, à qui boy. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon pasteur, à Tamboli, dans l'Okuta. Je dis un pasteur à l'Otama dans l'Okuta et dans la montée. Il y a un azolo à chaque fois. Et place beau kilo à Nazali Mangwanga, ça n'a pas de kilo pas de kilo. Place à Zali. Conscience n'est condamné à Robima Jida. Lorsque l'on est bon, ma Jida, ce Jida c'est Pandaki. C'est parce qu'il s'est souvenu. Na oh Jésus-Christ à la base, oh Aroli à la naï, yem ta rotaïr, à Sokoli, maman, ma colobalia qui n'a pas ensemble, tant à Talia, oui, à qui comme Boma. Bonjour à mon ami, au bâton à la boy, bonjour à mon ami, Jésus, Jida, Bomi, n'est pas maman, ça va. Ma conscience n'est rien qui n'a des banales, il y en a moins dans la place. Il y a place mon bolo la place mon bolo bara jeter une place mon ramener sur place mon la nave la chambre la porte permettez de prendre le bilo pour l'intimité mais les locaux que vous m'avez pour la kanda place à zali jugement zambela bien que jugement mon qui les côtés les mangwanga ça va dire oh non nali na zala mobali yo mobali na ngako linga ya combination la tata le pango no yo papa za mon kolo moi sur zali. C'est pas vrai, parce que tout le monde porte les gens. Mais Nazala, Nazala, il y a ma joie. Nazala, témoignage vivant. Moi, Nanga, au Tika, les gens, je vais témoigner tous les effets de Kakina. Merci beaucoup. Au sein de l'autorité, quand même, il y a plusieurs fondations qui assistent à la paix, en cas de difficulté. Et au sein de l'autorité, on a un bon nid. Je suis un bon nid. Autorité, la banine en premier citoyen de la République, papa président Félix Antoine Tshisekedi, a yebi, à la papa n'a mis son mieux. Pas sur les salanga, à la tiens déjà. À mon amour, pas mon avis, pas si on a eu salanga, à la supporité. Normalement, on veut coller à la suite, à plus de banaton, la famille Gabou, à la. Passe l'équipe. Donc, la zone papa président de la République a s'ingéré personnellement dans ma chambre parce que justice n'a pas eu. Jusque-là, papa président de la justice est comme bien. Mais dans ce qui s'est infiltré, il y a un peu de temps. Parce que, dans le bas, il y a un peu de connaître le maître, mais il y a un peu de temps profondément pour le monde. Maître et à Mangwanga, ça va dénigrer notre personnalité à famille. Il y a un arbitre, papa présent à Tala Oyo, du Cambo et Samina de Boto, maman Denise à Tala, Batamite, maman Lamou, Yapo Bazali, à voir même maman Lise, Bambamite, maman Lamou, Baba, maman Boto, tout ça, Bassala Rapien, la bateau Bazouli, Bazou problème. Basa la ramo, nazo sengama, pas soutenir biso. Na cinq aspects nous sur moralement, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, ba ya net vers biso. Parce que tout allait à batou. Oui, c'est quoi? Batou nam, mais là, pourquoi moi la batou batondi, batou bansali, toujours bien négni, toujours vivre négni, donc passe. Passe. Merci beaucoup, papa. Je crois que tu es au zoyau. Le sous-sous, on a plus de détails pour la bande d'écoute, on en a besoin et apporter contribution à la banque. Donc je crois que votre là, appel, na chef de l'État et également la première dame de la République, Mama Denise Nyakiro, c'est qui dit déjà, bande de lancer un message à la banque. Également,
initiative plus OLK, il y a vraiment Olive Lembe Kabila également, ce qui a assisté à Ndekosunga, parce que c'est vrai, au garder dans nos bateaux, belé belé dans la résidence Oyo, au lien à Baron, parce que jusque-là, date fixe pour nous, mais c'est encore un an, il faut l'État se décider pour nous faire. Alors, le temps, famille, Zofana, quelles sont les conditions? Conditions à réunir, difficultés à Makassi. Merci beaucoup. Alors, Tokozoa, Bandeko Msusu. Merci. Métalité à Misuma, Oyoya Kras Mandela, la pétrolière, Oyebake, et Yena idéologie à Sika. Donc, sans qui papa, non maman, avali Kopela, Awanakate Makini, promis tout misaté à Kotinaka Mokini, car Kassan qui ont béni, la numéro Oyo, Osa Mobima, les voyants la Kis, à cause de soins de santé, gratuitement. La clinique Misuma, Badjelibino, Wifi a opéré sur tout qui est parlé dans Internet, au débit. Donc, ceux qui ne connaissent pas Avali Kopela, Olingi Oyeba, état de santé la Yé, ou Koki Kopela Yé, Sale Koukouma, on soit à ta interférence dans tes là. Maman, bonne santé. La bonne bien. Ceux qui ne connaissent pas, à une occasion, il y a qu'on soit soin à Misuma, Misuma, Yéba, Ké. Kuna na tomo osa mobima na petite déjeuner fait la pourquoi yeba ke pas divé et aller faire la pointe pour okolia pour kondima teke ou aller dans l'hôpital pas aller dans la salle ya opération sans oublier test oculaire donc osa mobima ke na mitol misunga et tout ça la ki misunga yo et son à l'oukola na commencement la clinique misunga va aller faire la dentiste minou et kozonga tout mon pied ya misunga va traiter kapé katarak yeba ke oh comment na Pepele ya mbetolo, loko na kaka, éclairage public ya niyo. Misuma, ta santé, c'est ta vie. Alors, la clinique Misuma, oyo ya Kras Mandela, la pétrolière, est Kembe, Ezali, Ezate. Comme je vous avais annoncé, mesdames et messieurs, nous traversons la cour bien sûr de crime ou la cour d'actes où il y a eu quand même crime, certainement, tout au campé, que c'est en première situation, tout en écoutant aussi quelques témoins qui l'air bien sûr au Bazaïki sur place qui ont vécu comment Madame Mounio surtout et s'est déroulé qui. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment on t'appelle? Eliane Mangwangasa. Eliane Mangwangasa, tu es quand tu aimes de la famille? À papa et maman, je suis la première fille. Ah, ok. Comptant le ceux qui sont morts, je suis troisième. Ah, ok, d'accord. Tu es troisième comme. Nous avons annoncé déjà que nous avons trois corps enterrés. Et également, il y a une qui est sérieusement malade, qui a besoin d'ailleurs de soins. Certainement, assistance, t'as mis une négociation qui est notre remontée, une décoana. C'est vrai qu'elle se trouve dans un état vraiment très, très critique.
et moi aibina no kutuma mbo elikisimate hein. Alors on l'épargne quand même la makamnyo surtout oyo. Alors tu pourras nous relater un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement, parce que je crois que tu étais sur place, tu as vécu l'action, c'était comment? Si j'ai vécu l'action, mais celui qui est au prison c'est mon père. Okay. Je ne vais pas tout dire, je vais juste globaliser. Okay. Tout ce que moi j'ai vu, que c'est mon père qui détenait le couteau. Oui. C'est ça. Ok, c'est ton père qui détenait le couteau. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ta mère était décédée? Ben, c'est parce que moi j'étais là, non? J'ai vu le début, mais tellement que j'étais traumatisée, j'étais restée là et tout, sans rien faire. C'est ma première fois de voir ce genre de trucs passer. On le voit souvent dans des films, mais je n'ai jamais imaginé le voir en live comme ça. Jamais. Mais en fait, pendant la journée, les climats étaient bons ou c'est bon, la tension n'était pas... Je n'étais pas à la maison, moi. Je n'étais pas à la maison. En fait, je faisais le 13 de chez lui. Ouais. J'étais allée comme coiffe de chez lui. J'étais rentrée vers 18h, c'est un peu ça. Tu es rentrée vers 18h. Alors, tu pourras quand même nous expliquer. C'est vrai, tu ne sauras pas tout dit. Je vais t'épargner des détails, en fait. Est-ce que tu peux nous dire, lorsque tu es arrivé quand même à 18h, quel est le climat que tu as trouvé à la maison? Tout était au bon point? Mon père, c'est moi qui étais là. Maman, elle n'était pas là. Ma grande sœur, elle n'était pas là. Il n'y a personne, c'est mon père et tout. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Sinon, vous êtes suivis partout à travers le monde. C'est vrai, nous vous présentons nos sincères condoléances. Ce qui est arrivé, seul Dieu qui peut quand même... remonter la morale et aussi vous mettre au point. Oui. Un message aux autorités, à toutes les fondations qui peuvent vous venir en aide certainement. Tu étudies encore? Oui, je suis en G1 à l'EFI à Degerac. Ok. Tout ce que moi je peux dire, j'ai besoin juste de l'aide parce que j'ai deux sœurs et tout. Je pense à leur avenir. J'ai personne ici, je n'ai pas de famille. J'ai besoin de l'aide de le président. J'ai besoin d'étudier, mes sœurs. C'est ça mon avenir. Je veux vraiment étudier parce que je sais que grâce à mes études, je vais devenir quelqu'un à la société. C'est un peu ça. Merci beaucoup, alors courage. Merci beaucoup, alors je crois quand même on te prend en congé. On te laisse comme ça, tu veux. Alors on continue. Là, nous sommes en train de vous présenter. Ce sont les enfants de la famille, bien sûr, des papas. Donc, J.P. Mangwangasa qui est condamné. Bonjour. Bonjour. Et comment on t'appelle? Je m'appelle Manasseh Mangwangasa. Ok. Manasseh, tu es quatrième de la famille? L'avant dernier. Ok, l'avant dernier. Manasseh, d'abord, courage parce que tu es un homme, d'accord? Tu sais quand même, Dieu contrôle la situation. Tu peux nous relater qu'est-ce qui s'est passé réellement? Toi, qu'est-ce que tu as vu? Non, j'ai vu mon père toucher les couteaux pour poignarder ma tante et mes soeurs, ma mère. Toi, tu étais où pendant? J'étais pour le présent. J'ai vu que ma mère était en œuvre. J'ai vu mon père avait touché un truc, un truc. Je me suis vu face aux lumières de voisins. J'ai vu que c'était le couteau. C'était le couteau. Alors, quand papa a commencé à se mettre en action, toi, tu étais où? J'étais sur place. Je me suis battu avec lui. Tu t'es battu avec lui? Mais la force n'a pas répondu par rapport à ce qu'il avait comme force. Non, je me suis défendu comme un lutteur. C'est pas normal parce que je pratique MMA. Ok. Alors, toi, tu ne t'es pas attaqué ou bien c'est... Non, je t'ai qui pas sont ces personnes qui ont été attaquées? Ma grande soeur Merveille, Dieu, et ma mère, et ma tante Hermine. Donc, papa avait commencé par... Maman. Par maman. Oui. Il a poignardé maman. Oui. Et comment? Maman n'avait pas crié? Il maman avait pas de voix. Maman avait crié. Et je suis venu, je commençais à me voir. Papa, c'est devenu moi et papa. Oui. Ouais, je suis désolé de faire cela, mais j'étais obligé de se lever et j'étais par terre. Ok. Mais malgré ça, mais il n'a pas toujours... Écoutez, j'ai essayé de défendre, j'ai continué. Il a vu qu'il a raté me poignarder sous mes ventres. Il a vu qu'il essayait moi de me faire baisser sur tes pieds. Ah, c'est lui qui t'a... Oui. Ah, donc il t'a poignardé, ok, au niveau de la jambe, là. Oui. Ah... Ok, mais après, le voisin n'a pas... Non, le voisin à la porte, non, il avait bloqué déjà la porte de l'entrée. Et c'était vers quelle heure? Bon, c'était entre minuit et 1h du matin. Donc entre minuit et 1h du matin. Et pendant cette en fait, il y avait l'ambiance, c'était quand même... La journée, tu étais à la maison? Non, la journée, j'étais sorti. Tu étais sorti. Quand tu es rentré à quelle heure à la maison? Non, j'étais rentré à 22h. Quand tu es rentré à 22h, tu as trouvé qui? Papa, maman ou tu as trouvé qui? Donc, j'ai trouvé déjà, j'étais rentré avec ma tante et ma soeur. Et quand je suis rentré, j'ai vu mon père parler.
Il parle de quoi, en fait? Dans les cris, je ne comprenais même pas moi-même aussi. Ok, il y avait tiraillement entre papa et maman, c'est ça? Oui, c'était déjà ça. Ma mère, on n'occupait pas assez là, parce qu'il avait vu que... Elle savait que c'était pas du, c'était du mensonge plutôt. Elle a refusé de parler. Ok, donc maman a observé le silence, oui. Et c'est papa qui continuait à crier. Oui. Et papa a commencé maintenant à se mettre en acte. C'est comme ça qu'il a commencé à poignarder maintenant les gens. Non, maman, donc, j'interdisais papa, j'ai dit à mon père qu'un homme ne peut pas agir rapidement. Mmh. Si tu avais des preuves, tu savais que tu devais le garder. Tu devais, un jour, si tu voyais ma mère, un homme, aller attraper sur place, là, tu pouvais faire. Il voilait tout en face, mais je savais même, je croyais même pas qu'il avait une preuve, parce que dès qu'il parlait, ça se voyait qu'il avait bu. Ah ok, il avait bu. Ok, mais très souvent, avant ça, il y avait pas de problème entre papa et maman, non? Il n'y avait pas, même pas. Ok, comment est-ce que papa a pu s'échapper, quitter la maison, vous a tous laissé là-bas? Il y a eu deux, trois personnes qui étaient déjà, je crois, par terre. Et... Non, il n'a pas pu s'échapper. Quand... Il m'a poignardé au pied, j'allais devenir conscient, mais je me suis dit non, je dois le suivre. Quand il a poignardé ma soeur par derrière, je voulais s'échapper par la petite porte. Je me suis dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Je l'ai suivi derrière et je l'ai encore fait défendre. Je l'ai suivi par terre. Mmh. Je l'ai jeté par terre. Il voulait s'échapper vers la porte. Je piétinais la porte et son bras était fermé vers sous la porte. Mmh. Et les gens sont venus arrêter les policiers qui étaient sur place. Ah ok, les policiers sont venus. Ok, et lorsque le policier l'a arrêté, il avait toujours le couteau entre ses mains ou bien... Non, il avait poignardé sous ma soeur. Ah, il a laissé le couteau sur ta soeur. Oui. Ah, ok. D'accord, maintenant, les autorités sont en train de vous suivre. Il y a également des personnes de bonne foi. Qu'est-ce que tu demandes qu'on fasse pour vous? Parce que tu dois continuer. Tu dis? Oui. Tu es en quelle classe? Je suis en quatrième. Un quatrième, littéraire, scientifique. Électricité. Électricité, ok, d'accord. Ingénieur, qu'est-ce que tu demandes aux autorités? Non, je veux juste étudier, finir mes études, aider ma famille dans l'avenir. Je veux terminer mes études jusqu'à l'université. Non. Merci beaucoup. Un petit message en lingala. Je vais vous écouter. Je vais vous écouter. Bon, je vais soutenir Bissoukara. Avec que papa qui est présent, à sa papa n'aura propre, mais n'a l'imbissé, mais à ta sali. On a une repart de tes mamans, n'aura profité, battre cancer, maman les chasse à profiter, mais c'est moi son mari à soutenir Bissoka. Merci beaucoup, alors courage, Dieu au contrôle de tout, d'accord? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je crois que nous allons prendre l'intervention de la cadette, la toute dernière de la famille, et je crois qu'elle pourra dire un mot. Bonjour, Yaya. Bonjour. Comment on t'appelle? Je m'appelle Ephraim Amassa. Ok, Ephraim, tu es la cadette de la famille? Oui. Tu as vécu l'histoire, comment ça s'est passé? Pas vraiment. Pas vraiment, tu étais où? Moi je dormais, quand je me suis réveillée, j'ai juste vu ma mère endormie, poignardée, ma soeur endormie, ma mère, ma tante aussi poignardée, je ne me rappelle plus de rien. Ah ok, et tu n'as pas voulu chercher à connaître si c'était quoi le problème, non? Je ne m'occupais pas vraiment de ça. Moi, ce que je voulais, c'est juste sauver ma mère. Je ne m'occupais pas de ça. Ah, tu voulais sauver maman. Et quand tu as constaté cela, papa était où? D'après ce qu'on m'avait dit, il était déjà dans les mains des autorités. Ah, ok. D'accord. Alors, courage. Dieu au contrôle de tout. Alors, un message à tout, aux autorités, à toutes ces personnes de bonne foi. Tu peux dire quoi? Tout ce que je demande, c'est juste de l'aide pour les obsèques de ma mère, mes soeurs et un peu de l'aide pour mes études. Moi, je veux étudier. C'est tout ce que je demande. Ah, ok. D'accord, Ephra, on te laisse alors. Ok. Merci beaucoup. Là, je crois quand même c'était quelques mots, bien sûr, des enfants. C'est vraiment difficile, c'est très choquant. Alors, nous sommes en train de demander d'ailleurs à toutes ces personnes des bonnes volontés parce que déjà, ça fait pratiquement une semaine depuis que Bandeko Oyo Batika Biso. Et dans une semaine, on a jusque-là, Bazana Ambomete. Depuis la toute dernière information en possession, toi, Nango. Alors, Bazana Ambomete, il y a également une qui est sérieusement malade, qui a besoin d'ailleurs de soins appropriés pour te sauver. Parce que je crois que d'abord, Nekoote Kotika Biso, il y a Mobali, il y a moi aussi. Non, la fille, gracias. Donc, ce qui est par rapport à la négligence,
C'est-à-dire que l'hôpital a ses mandats pour kaka, vite fait, bah, le qui va tongi, alors que bah, il va quitter que déjà mon tour, bah, pour moi, ça a été touché et tout et tout. Alors, bilo konyo son OSN abiso, neko oyo to sauver, neko azananu, azo pema. Kozoye, so kata moins ali, kozoye ko évacuer ko tina tana mboka mou yampaya, on neko oyo to sauver. C'est vrai, on est en train de voir et puis azawapi. Na hôpital, il y a kan kokolo. En tout cas, to bunda, na mama imo plutôt. To bunda to sauver bandeko ndeko o surtout o nana zana no azo pema to bunda to sauver et il y a également trois corps qui font embaumer au jusque là nana ba embaumer ngote ça fait déjà pratiquement une semaine bazaka na morgue alors je me demande n'éviter ceux qui état en zo to na ko zan ngi nini mais nzamba sunga nyo sur le kana mala on va prendre quand même peut-être ndeko sumo ko ami kapeko pesa sur ba détail et qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour na sur bande ko bozana besoin ya ko tinda lisungi toi à quoi assister libota oyo on va vous communiquer comment est-ce que vous allez faire pour que toi aider bande de Konabiso. Merci beaucoup. Alors je crois que nous allons clôturer bien sûr la série d'interviews. On a vu quand même tout faire parvenir nos messages aux Isali Kolkanakatia libota courage na grande famille Mobimba courage à bande de Konyon surtout oyo bazali touché par la disparition bande de Konabiso ebele oyo. Maman Lili bonjour. Bonjour papa. Maman Lili, je pense que vous avez un peu de temps à faire des choses. Vous avez une famille beaucoup mis à niveau Nini. Ok. Merci pour la question. La famille, la minute, nous avons trois corps. Le corps mis à l'Ezana Kankokolo, la morgue à Kankokolo, le corps Moko, l'Ezana Maman Emo. Et puis, nous avons une déconnexion de Soussou. Il y a la Maman Emo, Azaki, vraiment la pota mon néné. Il y a beaucoup de situations aussi cool. Mais le col a déjà bah corps na bango le lot ma cambissa la maquille vraiment samedi au ouais, 29 et bazo pour ma presque na une semaine et jusque là na nous toi embomété na nous tout salé le côté même yomo ko mona awa soutien mo pinza na nous huité na au pende ko ko sunga ta ka famille ngeza ya wana ndé tozo ko singa ce qui m'a coqué cause là ce qui boté bi que l'état y a aussi un salaire naé y a mon cahier banquette mais c'est une des y a aussi un salaire naé mais bisous toko tous ces gens vraiment plus que bah tout l'absolu bazar na morgue bah coca cause à l'embaumé et puis tout l'exabo obsèque nous surtout les camalamo et qu'un des coups à peine hôpital abîma jusque là on a habité ce bosso et bi mais nan y a habité que bah des coups sur bazar kokufa et dernièrement moi on a besoin de grâce à Sia Koufi Asuka. Pourquoi? Parce que ça qui est un peu négligence le quoi il y a ça qui me bélie na mon Congo il y a bima qui pour que bête bien la bataille qui na bélie tout monde qui pour tant les qui me quitte tout avec tout monde qui a un peu à au Isaac carte mimi na dispensaire caca pour ta wana ba kangi pour ta mais sans oublier que na katikuna avant de que ça les hémorragies tout il va quitter tant tout monde a commis pâle tout lui tête photo que l'hôpital amené c'est là où là bah côté radio babi non moi là on sale hémorragie il faut tout bander la pota bander pota bander bimisa ba on se fait que ko bimisa mais d'accord qu'on peut aller témoigner tes photos que na maman là to comme ikuna les temps batien na poste ka comme la première respiration pour tout aller pour nous là to comme on a les temps batien oxygène je crois 10 ou 15 minutes tika qui biso donc ce que tu voulais là qui plus avant peut-être que ton gosse à la naï tellement que ton monde qui a zoté les manaya zolo banaye tu veux que ça va bien mais sont bon na éviter bon ça va permettre na éviter tout le banini mais il y a un tolingi vraiment cette fois-ci que ça la vraiment que ça l'attention pour te récupérer tous voir oya tika luana et habituellement quoi. Merci beaucoup. Alors, maman Lili, comment est-ce que les gens peuvent faire pendant que tu es en contact avec la famille et puis Bandeko a besoin de quoi aider Binova Salamé? Ok, Bandeko surtout a besoin de quoi Sunga Bisso, Bakoki qui a contacté Hervé Lusangu, le numéro n'a pas papa Alain ou bien Bakoki qui a dicté Binova numéro à Hervé. Bandeko surtout a Lusungi, Oya Monica Bakoki qui a aidé, Bakoko Sunga le numéro à 089. Donc plus 243. Plus 243. 089-53-85-382. Donc c'est ça. Donc, on peut répéter. C'est le plus 243-82. C'est ça. Exactement. Vodacom. Orange. Non, on est Tigo. Ok, Orange. Il y a un Orange.
Donc, plus 243 89 53 85 3 8 2. Donc, au numéro, on a d'ailleurs, c'est le numéro qui est affiché. En gros, il est affiché. Ah ouais, pour permettre à Binobos à la. En contact dans la famille Mobimba, toutes ces personnes de bonne volonté. Alors, nous insistons à ce que toi assistes Libota et Maramio, surtout Elekana Malamou. Je crois qu'il y a encore à ajouter. Ok, merci beaucoup, Maman Lili. Alors, je crois que nous allons finir avec papa. Papa, bonjour. Bonjour, je suis le journaliste. Libota, comment on a une fille, on a un cas pour Libota. Comment on a un Martin, Bandawa, Banama Tomo Bébinga. Obama sta vinga libanda comme na wais cobra queer. Na vai na kandakanda en face na village Bokai nazane ki ame frenche mamadu. Ok, ah oui, na moni siko. Alors, lobani ni okolo bana ndeko tu wasi occasion parce que makam bande ko lobi ba italé makam nyo so tu ni oyo ko bakisa. Bo bande ko ba ba ko ta contact na bino to ba ba osala pa. Bande ko. Eloka na kusinga. Musu na biso. Famille Penza tout en amour. Et surtout Atiki Bana, Atiki na mama, yem ta yidi konzi a famille. Bana fo batanga mama bonso bomoni, bo filmer mama. Mama na mama Penza, ma watro. Tu évite bo sunga mama, veuve, bana batika li fo batanga. Vraiment, lo kana ko senga ngwana. Bo sunga biso toza na ibandelite toza na suka. Tala kaka toa bibi mena mo baza. Sérieusement, na mama ye mo zwa hôpital mama ye mo zwa ba frais transport kolia ndaka ba tupe apie se matanga il faut ko futa ndako kolia li konja ke bandeko bufu boka nga mite mate ba konji ba papa ba mama ba yaya ba leki bandeko busunga biso tenda to singi elisungi na pe na grande sœur. Merci beaucoup. Maman, Fugi, bonjour maman. Merci beaucoup maman. Alors merci beaucoup na bandegotu bozi occasion ya Roland Abiso sur nouvelle tendance télévision. Bozala ebele ya ko partager sous vidéo oyo. Pendant ko kota en contact na Libota, je crois que le numéro est là. Tous sont à Libota oyo bisoyon surtout. Merci na bandegotu bazali na ekilia pote maman lumière, merci beaucoup na yo. Et merci na bandegotu o bazala na biso bozo maman lumière, je crois appartenir na biso ya nouvelle tendance télévision. Je vous annonce très très prochainement le détail déjà aux Ali premier numéro bon on a deuxième troisième et tu me rends te rendre bien au compte boyeba tu comme un niveau ni salamaki ni salamaki puis ni oyonano et salamité jusque là merci na Sari Bimbala, merci na Jordan Panzou, merci na Jonan Zouzi, merci na équipe Bimba. Alors tu coûte prochainement, au revoir, bye bye. Et du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri la tila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchenko met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchenko, très très disponible. Bien aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, nulle part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin à yoto voisin à yoto.
ce qui est bon, c'est solo. Fait ça, ça, la bonne côté. Yo, yakanangwao. 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 Merci. Merci. Stop.